masille, un écrin de verdure dont les joyaux sont des maisons souvent bâties au XIXe siècle, typiques de l'architecture rurale de ce coin de Saône-et-Loire. Régulièrement, des circuits de visite sont organisés pour faire découvrir ce patrimoine de pays, à la fois modeste et remarquable. Et toutes ces flâneries se font sur les traces d'un homme aujourd'hui disparu. Il s'appelait Michel Bouillot et a consacré sa vie à dessiner ces maisons. Il en a croqué certainement des dizaines de milliers, hein, puisqu'il a laissé à peu près 80 albums complets triés de maisons. Alors ça va du Brionnais, Tournujoie, la Bresse savoyarde même, le Beaujolais, c'est le dernier livre qui est paru. Disparu en 2007, Michel Bouillot habitait à Mazille. En 1997, intrigué par son obsession pour les maisons paysannes, nous étions allés à sa rencontre. Le rendez-vous avait été pris par courrier postal, car Michel Bouillot n'avait pas le téléphone. Nous avions alors découvert un personnage à la fois austère et passionné, et aussi parfois un peu ironique. C'est une œuvre d'art, une maison paysanne, au même titre qu'un château ou qu'une église. La seule différence, c'est qu'il n'y en a aucune qui soit classée en Bourgogne. Hein, parce qu'on ne classe pas ce qui est paysan. Élu en 83, je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à écrire, disons, le bulletin municipal trimestriel, Vivre à Mazille, tout simplement, comme titre, en dessinant, en croquant des maisons ou des bâtiments plus conséquents. Et tous les trimestres, il a été fidèle au rendez-vous de 1984 à 1999. Durant ces 15 années, rien n'a échappé au crayon de Michel Bouillot. Lavoir, Muret, Prieuré, il a tout arpenté, tout dessiné, y compris la seule maison de Mazille dont on connaît précisément la date de construction. Bâti par Jeannin-Antoine en 1857. Alors, sur le livre, non, on voit mieux, c'est 1882. 1882. Et puis, il y a un Michel Bouillot plus méconnu, le Michel Bouillot peintre, dont on découvre ici l'étonnant triptyque réalisé dans l'église de Sainte-Cécile, avec son Jésus en bleu de travail et une foule de détails surprenants, comme cet enfant lisant au grenier, en compagnie de deux rats et d'une chouette. Beaucoup de peintures de Michel Bouillot sont ainsi disséminées un peu partout et restent à découvrir.